Bienvenue sur Malaika, votre magazine. Merci en tout cas de votre fidélité à notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie d'enfants qui ne vivent pas nécessairement les choses de la bonne façon par rapport à la situation particulière de leurs parents. Alors, découvrez avec nous le sujet du jour. Voilà comme vous le découvrez, le thème du jour, c'est enfants de pasteur. Alors comment vivent-ils la responsabilité de leurs parents Est-ce que c'est un fardeau pour eux ou alors c'est un privilège On va essayer de le découvrir ensemble avec Mama Audrey, Mama Janine et bien sûr Magali. Donc, Mama Audrey, qui est aussi euh, femme de pasteur et mère d'enfants de pasteur. Exactement. Donc, on a. La totale. L... Voilà. <laughs> on a les deux côtés de la pièce. Exactement. Ce qui est une bonne chose. Oui, on pourra en parler. Voilà. Et on a aussi aujourd'hui le plaisir d'avoir une invitée spéciale, Mama Audrey, qui s'appelle Sharon Rose. Merci en tout cas de nous visiter aujourd'hui sur le plateau de Malay. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et donc, tout à l'heure, tu nous donneras ton témoignage en tant qu'enfant de pasteur. Oui. Donc voilà, on parle aujourd'hui des enfants de pasteurs, des enfants qui parfois vivent mal la situation et parfois le vivent aussi très très bien. Euh, Est-ce qu'ils ont des privilèges en tant qu'enfants de pasteurs Ont-ils des passe-droits Est-ce que c'est un titre dans l'Église Nous allons essayer de le voir en détail, mais avant tout nous allons passer à la rubrique de MAG. Donc voilà, Magali, est-ce que enfant de pasteur c'est un titre Il y a une définition à donner à ces enfants Écoute, il n'y a pas vraiment de définition en adège, Par contre, j'ai fait des lectures très intéressantes, notamment sur un forum où c'était le sujet de ce forum, ah. un forum chrétien mmh. africain, et c'était le sujet euh, du jour enfant de pasteur. Donc je, je vais vous euh, un peu vous montrer ce, ce qui a été dit. Alors c'est vrai qu'être enfant de pasteur c'est pas toujours simple. Je suis sûre que notre invité du jour pourra le dire. Les enfants qui grandissent eh bien dans une famille dont l'un des parents est pasteur, missionnaire ou engagé mmh. euh, dans le ministère, et eh bien il faut face à plusieurs défis spécifiques. Alors d'abord, ils sont exposés au regard de tous, avec euh, une pression quand même hein, d'être un modèle de perfection. Vrai. Euh, les parents euh, qui ont un rôle public euh, doivent montrer l'exemple euh, au peuple, à l'église. Donc du coup, on s'attend un peu quand même à ce que les enfants euh, suivent aussi euh, ce modèle. Mm -hmm. euh, et les enfants de pasteurs, ils ont aussi ce sentiment de vivre la même chose que leurs parents, alors qu'eux, bah, voilà, ils ne sont que des enfants. Bien sûr. Donc euh, ces généralités sont valables en Afrique, Maman André, mais aussi euh, partout ailleurs. Hein, je dois dire ce n'est pas euh, un, un sujet quelque chose que... voilà, qui est typique de l'afrique oui. alors Qu'est-ce que pensent les enfants de pasteurs africains en général suite aux lectures que j'ai faites, surtout dans ce forum Eh bien, le métier de pasteur étant très public, donc avoir un pasteur, certains disent que c'est comme vivre avec une personne, avec euh, un homme politique. C'est ce que j'ai <laughs> pu lire. Et du coup, euh, ils sont toujours sur la ligne de mire. Et d'autres vont dire que, bah oui, je me, je me sentais à chaque fois tenu d'être un modèle et les gens me jugeaient. Si j'avais le malheur, par exemple, de parler avec des garçons dans l'église, ça c'est une fille qui s'exprime, hmm. une fille de pasteur. D'autres qui disent, euh, dans le le contexte de la maison, mon père souhaitait toujours que je prie autant que lui, que je jeûne et que je lise la Bible tous les jours et j'en suis incapable. Donc en gros, la vie pour les enfants de pasteurs, c'est très dur. C'est très dur, non seulement parce que leur père aussi, le père pasteur, met la pression Bien et sûr. puis après aussi, vous avez mais cette pression euh, dans l'église. Alors eux, qu'est-ce qu'ils veulent C'est ce que j'ai lu encore dans ce forum. Révolution, non pas une révolution, <laughs> je rigole, mais ils réclament, ils réclament en tout cas le droit d'être des enfants comme les autres, tout non. simplement. Ils disent qu'ils ne sont pas une prolongation, une extension mmh. du pasteur. Ils ne sont pas des petits pasteurs non plus, parce qu'il y en a ça, qui les appellent oui. comme ça dans les églises euh, en Afrique, petits pasteurs. Vrai. On les salue comme ça, oui. et c'est vraiment une appellation qu'ils qu ne supportent pas. Mmh. Ensuite, vous avez également le cas de la famille pastorale, euh, maman Audrey. C'est vrai que dans les églises en Afrique, il y a souvent, on, on, on euh, présente souvent le pasteur avec la famille pastorale, oui. et là aussi, il y a cette pression, parce que si on n'est pas un bon enfant, si on n'est pas un bon mmh. chrétien et, et qu'on on lit pas sa Bible comme son papa, oui. là aussi, on est mal vu. Et enfin, le dernier point que je souhaitais évoquer, c'est la mésentente avec le père-pasteur. Souvent dans l'église mmh. africaine également, on est pasteur par filiation, maman Audrey, comme je sais que tu le sais, <laughs> et les filles sont privilégiées et sont mmh. mis davantage en avant. Et il y en a beaucoup qui le vivent très mal, parce que mmh. déjà, il y en a qui ne sont pas du tout en accord oui, avec le ministère de leur père, tout simplement, mmh. d'un point de vue euh, euh, doctrinal. Donc, carrément, ils vont s'opposer au ministère de leur père, ils vont créer des églises eux-mêmes, fonder mmh. leurs propres églises, et puis ça crée énormément de conflits, et puis bien sûr, les gens parlent, et c'est toujours euh, mmh. une mauvaise presse. Et en Enfin, le dernier point, euh, dans ce même point dans de, de l'Église africaine de pasteur par filiation, mm -hmm. il y a beaucoup aussi qui sont stigmatisés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a oui, des enfants qui sûr. ne veulent pas être chrétiens, qui ne veulent pas euh, tout simplement aller à l'Église. Et là aussi, donc le pasteur est par ricochet et euh, stigmatisé, et mm -hmm. l'enfant de pasteur aussi. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu lire. Euh, hmm. donc c'est pas une situation facile à vivre. pas si hein. simple. Hein. Ouais. c'est pas si simple. Maman Janine, justement, à Kinshasa, comment est-ce qu'ils vivent euh, la situation, les enfants de pasteurs Oui, donc dans tout ce que Magali a dit, bien entendu, on retrouve euh, ces similitudes à Kinshasa. Il y a aussi, par contre, des, des églises où les enfants de pasteurs sont, deviennent pasteurs mm -hmm. et euh, ils sont très contents aussi hein, de le devenir. C'est des grandes églises où euh, ils reprennent le flambeau parce mm -hmm. qu'effectivement, il y a cette notion de filiation qui est très très forte, surtout quand les églises sont grandes. Et donc effectivement, on va pas confier une grande église à, à n'importe qui, mais on va confier ça à son enfant parce qu'au moins, on est sûr que tous les biens restent dans la famille. Euh, mais de façon un peu plus réaliste, tous les enfants de pasteurs que j'ai pu rencontrer, Maman Audrey, euh, ils sont unanimes pour dire qu'ils tiennent un rôle. En tant qu'enfant de pasteur, on tient un rôle, on est dans un rôle, donc on n'est pas soi-même. Oui. Exactement ce que tu disais oui. tout à l'heure. Euh, une jeune fille me disait, mon père n'est pas célèbre dans le monde, mais j'avais toujours peur de le décevoir. Donc je vais mmh. faire attention à tout, à ma façon de parler, à ma façon de m'habiller, à ma façon de, 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 de dire les choses. Tout, tout je devais faire attention. Wow. Et euh, le deuxième point qu'ils euh, qu ont noté, ces enfants, c'est qu'ils doivent toujours partager leurs parents. Avec des frères et sœurs de oui, l'église. Parce que papa, parfois, il, suit, euh, les, mmh. il fait des visites et il rentre tard à la maison. Il n'est pas souvent là. Parfois aussi, il devait partager leur maison avec des frères et sœurs. Mmh. Et bien souvent, il y a ce sentiment. d'être un peu abandonné. Euh, ouais. Ce n'est pas vraiment un sentiment d'abandon, mais il mais n'y a pas d'intimité familiale. Ça. Parce qu'il y a ça. beaucoup de monde à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui revient ouais. assez souvent. Mmh. À l'école aussi, il y a aussi une certaine forme de stigmatisation quand le professeur pose une question sur la religion. Alors, on va demander à l'enfant de pasteur, alors, c'est quoi la réponse? Et il a, il a intérêt, il a à, à, intérêt à avoir la réponse. Mais sinon, c'est une bonne guerre. Donc voilà, bien souvent, c'est ce côté un peu, c'est lourd, c'est lourd, on peut pas vivre, on peut pas être soi-même. Mm -hmm. hein, c'est quand même ce qui, ce qui oui. ressort le plus de tous les, les témoignages que j'ai pu avoir là-bas comme maman Janine mentionnait tout à l'heure, on va voir avec Sharon si euh, le fait d'avoir euh, beaucoup de gens à la maison, ça a été un problème euh, particulièrement pour toi. Tu vas nous le raconter tout à l'heure. Mais avant tout, je veux savoir, maman Audrey, est-ce que toute cette pression dont on a parlé, qui retombe un petit peu sur les épaules des enfants de pasteurs, c'est normal Mais Définitivement non. Parce qu'il n'y a aucune raison euh, que les enfants de pasteurs puissent avoir de telles pressions sur eux. Bon, c'est sûr que la parole de Dieu le dit clairement dans Timothée. Que si quelqu'un désire la charge, d'évêque, aspire à la charge d'évêque, mm -hmm. ah ben il y a certaines conditions qu'il doit remplir et mm. une d'entre elles, c'est que il faut que ses enfants, ils puissent mener sa maison de la bonne façon mm. et que ses enfants, euh, dans la, même dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Mm -hmm. donc il y a quand même un minimum d'attente euh, sur la responsabilité sur le pasteur. Sur le pasteur, c'est ça. Par rapport à ses enfants. Oui. Mais malheureusement. Ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, bien souvent, ça sort de l'Ancien Testament. Mm. Ou le fait des sacrificateurs qui, qui passaient de fils de père en fils. Oui, voilà. Vrai, oui, Et donc, on vient maintenant adapter cette situation mm -hmm. à l'Église euh, du Nouveau Testament. Bien et bien souvent, comme dit Maman Janine aussi, on n'a pas confiance. Mm. On a construit un royaume, mm -hmm. on a construit un édifice, on a construit quelque chose d'important. Et maintenant, on ne va pas confier ça. Déléguer cette responsabilité à n'importe qui. Mmh. Donc, on s'assure que c'est l'enfant, le fils, qui va prendre la relève. Mmh. Or, dans le Nouveau Testament, il n'y a absolument rien de tout ça. Bien sûr. Et il n'y a aucune raison. Euh, ce sont des enfants comme les autres enfants. Mmh. Et tout dépend de l'appel de Dieu sur leur vie. Mmh. Tout dépend de ce que le Seigneur les appelle à être. Bien sûr. Euh, et rien d'autre. Et je ne vois pas pourquoi mmh. il faudrait qu'ils se mettent sous cette pression. Et au fait, et que les gens les mettent sous cette pression. Qui est ça. Qu y une attente, mais enfin, c tout va en même temps que l'enseignement. Bien sûr. C'est ce la tendance. C'est ce qui se passe. C'est mmh. automatique. Le père, le, le fils, fils d'un pasteur, voilà. le donne la responsabilité de, de pasteur de jeunes, responsabilité mmh. des jeunes, parce qu'il le fils et pasteur. Pas parce qu'il a un appel, ah. pas parce qu'il a un cœur, mm. pas parce que on a remarqué que ce garçon, ben, vraiment, c'est pas David qui veillait les brebis, oui. et qu'il y avait un appel, un cœur que Dieu l'avait donné, mm. euh, un cœur pour Israël. Bien sûr. Euh, mais c'est bien sûr un principe, une technique, et c'est malheureux, bien sûr. puisque ces enfants euh, ne vivent pas toujours la chose d'une manière euh, excitante, mm -hmm. et ça gâche leur vie. Et souvent, ça gâche leur relation avec leurs parents, mmh. et ça gâche leur relation avec les gens de l'Église et le, avec le Seigneur. Ah ben, et bien souvent, il, il fuit le Seigneur. C'est ça. Il fuit l'Église. Donc voilà, Sharon, par rapport à, à ton, ton historique personnel, je sais que donc ton, ton papa a été euh, nommé euh, ancien euh, dans, dans l'Église, et ça fait à peu près quoi une quinzaine d'années ah. qu'il a cette responsabilité pastorale. Donc il, il s'occupe euh, euh, bah, du peuple de Dieu dans une région en particulier. Et toi, tu étais enfant quand ça s'est passé. Comment est-ce que tu as vécu justement le changement euh, de, de responsabilité et la charge qui, a, qui lui a été confiée Oui, effectivement, il y, y a eu un changement. J'avais 14 ans quand mon papa a été nommé ancien pasteur et euh, ben, on voit le changement tout de suite. Parce que tout de suite, la, notre maison est ouverte, on accueille des gens, mon papa s'occupe des gens et c'est comme si que notre vie change du jour au lendemain. Il n'y a pas de. On donne un petit moment de change. Il n'y a pas un moment transition. de transition, il n'y a pas. <laughs> mais le changement est drastique. Et tout de suite, euh, même à l'école, comme Maman disait, oui. même à l'école, ça change parce qu'on on est vu maintenant comme l'enfant du pasteur. Et, et en tant que jeune, ce n'est pas toujours facile à vivre. Bien sûr. Qu'est-ce qui a été pour toi le, le, le plus difficile ou en tout cas qui a, qui a été une source de frustration en fait, pour moi, ce qui a été beaucoup difficile en tant qu'adolescente, je dirais, c'est de, de partager ma maison, de partager ma chambre, parce qu'on accueillait souvent des gens à la maison. Il y avait à peu près, allez, maximum combien de personnes dans la maison On était souvent à 15 personnes à la maison. On était souvent à 15 personnes à la maison, avec les chiens. Et donc, on avait tout le temps plein de gens à la maison. Les week-ends, mon papa invitait des gens à la maison parce que, bien évidemment, mon papa prenait soin de, prend soin des gens. Donc, souvent, pendant le week-end, on invitait des gens à la maison. Et pour moi, en tant qu'adolescente, c'était très difficile au départ. Mm. Oui. Et ben justement, euh, Mama Audrey, au niveau de l'intimité euh, de la vie de famille, ça n'est pas toujours évident. Par, par exemple, je reviendrai sur Sharon pour cette précision. Mais euh, comment faire en tant qu'enfant euh, de pasteur pour justement rester en contact euh, dans, dans la relation enfant-parent, euh, malgré, malgré la, la, on va dire, la présence d'autres personnes dans la maison Je dois dire que ce n'est pas le cas de beaucoup de familles dont le père est pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs que je connais où la maison est très très privée, n'est pas accessible et qu'ils vivent leur intimité et leur, leur vie privée d'une manière très stricte. Mm -hmm. Mais chez nous ça n'a pas été le cas euh, puisque bon, on sait retrouvé dans une église, où il y avait beaucoup de gens euh, qui avaient des besoins, euh, on a été appelé à recevoir des gens chez nous, des jeunes filles, des jeunes garçons, mm -hmm. euh, les aider à grandir, les aider à servir le Seigneur. Et dès le, 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 le jeune âge de nos enfants, on les a aidés à comprendre que c'est un privilège mm. que, que leur père était appelé à servir le Seigneur. Et c'est un privilège d'ouvrir nos maisons, c'est un privilège de partager ce qu'ils ont et de partager la, la, la parole puisque oui. on, il y a beaucoup de demandes sur mm -hmm. notre vie, euh, il n'y a pas d'heure pour entrer, il n'y a pas d'heure pour que les, les, quand les gens ont des besoins, ce n'est pas comme une voiture qui se casse Bien et sûr. ça peut attendre le lendemain que, oui. que, la, que le garage s'ouvre. Euh, les besoins sont urgents mm -hmm. et souvent il faut euh, répondre à ces besoins dans l'immédiat. Mm -hmm. Et on a beaucoup voyagé. On a encouragé nos enfants à nous relâcher, et à comprendre que euh, c'est une grâce du Seigneur mm -hmm. et que le Seigneur allait prendre soin d'elles. Mm -hmm. Et je dois dire que, bon, c'est sûr qu'elles ont certainement dû avoir le moment. Bien sûr. Euh, comme Sharon. Elles ont certainement dû avoir la lutte. Mm -hmm. Mais à la fin du jour, aujourd'hui, elles servent toutes les deux le Seigneur. Elles sont bien. Pour, pour et... précision, Mama Audrey, pardon, je te coupe. Donc, Mama Audrey est l'épouse du pasteur Mickey. Et Amen. donc, tu as deux filles. Deux filles. Et, et maintenant, deux petits-enfants. Deux petits-enfants et deux gendres. Et deux gendres. Ah oui, oui, bah oui, en plus. <laughs> voilà. voilà. Mais. Donc, je dois dire que c'est une vie complètement différente. Mm -hmm. Mais l'hospitalité chez nous, ça a toujours, ça a toujours existé. Ce n'est pas le fait qu'on est devenu pasteur ah. qu'on a exercé l'hospitalité. Yes. L'hospitalité a toujours été de mise chez nous. Mm -hmm. Mais bien sûr que quand on a pris la responsabilité de l'Église, quand mon mari a pris la responsabilité de l'Église, mm -hmm. automatiquement, euh, cela est devenu quelque chose de beaucoup plus répandu dans le sens qu'il y avait beaucoup plus de besoins autour de nous et qu'on n'a jamais hésité à ouvrir notre maison à des gens qui étaient dans le besoin et à les accueillir à la maison et de tout cœur. Justement, Sharon, comment est-ce que tu as vécu le, le partage de tes parents avec euh, l'Église, si on peut dire ça comme ça Est-ce que tu t'es retrouvée dans ta relation avec tes parents pour pouvoir te confier, pouvoir parler de tes petits problèmes d'ado oui. ou de jeune En fait, euh, c'est vrai qu'on on peut dire que mes parents étaient partagés. Mm -hmm. On devait partager nos parents, mais j'ai jamais perdu cette connexion avec mes parents. J'ai jamais perdu cette relation. Mes parents ont toujours été là pour moi en particulier mon papa. Et mes parents trouvaient tout le temps un moyen, même s'ils ils sentaient à des moments où on était frustrés, où on était allons-y, notre cœur s'éloignait un petit peu, ils trouvaient tout le temps un moyen de ramener notre cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très proche de mes parents. Je ne peux pas me plaindre de la relation que j'ai avec mes parents. C'est tout ce qu'il y a de plus précieux. Et aujourd'hui, si je peux me tenir sur ce plateau avec vous, ben mes parents ont une grande part dedans. Et je suis infiniment reconnaissante. C'est vrai, les moments étaient difficiles. Tout le temps, besoin de partager ma chambre, mes parents. Mes, pa mes parents recevaient souvent des gens à la maison. Mon papa sortait beaucoup pour aller à des réunions, aller à des visites. Mais jamais j'ai senti que j'avais perdu mon papa. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti aussi une pression, peut-être pas de tes parents, puisque là, visiblement, ça s'est bien passé, mais auprès, euh, une pression de, de, du peuple de Dieu pour que tu sois, en, en d'autres termes, parfaite, la parfaite fille du pasteur Oui, bon. Euh, C'est vrai que de certaines personnes de mon entourage, euh, pas forcément de l'Église, je ne dirais pas de l'Église, mais des gens autour de moi, parfois, je, je ressentais un petit peu cette pression. Euh, de faire attention à ce que je dis, de, de calmer mon caractère <laughs> et, et de faire attention à ce que je porte, de faire attention avec qui je marche. Si je marche avec un garçon sur le chemin, c'était grave. C'est attention, on va dire à ton papa ah oui, et oui, il oui. est pasteur, oui. <laughs> donc euh, tout de suite, ben je devais changer de comportement, je devais plus être moi-même. c'était difficile, je dirais, mais euh, au fil des années, avec la maturité, bien évidemment, ben euh, j'apprends à être libre de, de cette pression. Mm -hmm. Maman, Janine veut rebondir. Oui, juste par rapport au témoignage de Sharon, parce que c'est une grâce, effectivement, d'avoir eu un papa qui était suffisamment sensible pour pouvoir euh, ressentir quand est-ce qu'il avait besoin de... De, de reconnecter, comme tu dis, et le sentiment que ces enfants, du moins à Kinshasa, hein, que j'ai pu rencontrer, euh, euh, les sentiments qu'ils ont partagés, c'est que l'amour du père n'est pas vraiment remis en cause. Ah. C'est pas l'amour qui est remis en cause, mais c'est la disponibilité, c'est la disponibilité du, de, des parents. Et pour peu que ces enfants, qui ont une pression qu'on qu connaît, euh, soient pas des grandes, des fortes personnalités pour pouvoir peut-être exprimer c'est là que tu vois ça devient un peu compliqué parce que tout est inhibé on ne dit pas donc du coup le papa ne ressent pas la maman etc et ouais. c'est là que euh, on peut vivre vraiment pour le coup des frustrations moi je, je sais pour avoir parlé à, à certains fils de pasteurs hein, particulièrement des garçons qui ressentaient beaucoup la pression d'être au même niveau spirituel que leur papa en se disant bah la barre elle, elle est là et moi je suis là et jamais je vais atteindre ce niveau-là. Ils étaient presque découragés, presque prêts d'abandonner parce que pour eux c'était inaccessible. Ils le voyaient Seigneur, bien que ce n'était pas pour eux. En le fait. Seigneur ne leur demande pas d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Mm. Le Seigneur ne demande pas à quiconque, que ce soit un fils de pasteur ou à n'importe quel chrétien ou à quiconque, de prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas. Mm. On est là où on est le Seigneur nous accepte tel que nous sommes. Et son appel de Dieu dans notre vie, il nous emmène, il va nous conduire afin que cet appel se réalise dans notre vie. Donc il n'y a aucune raison de se mettre sous cette pression. Il n'y a aucune raison de, de vivre cela de cette façon. Et c'est triste de voir que très souvent, euh, les parents mettent cette pression sur leurs enfants. Non seulement les gens de l'Église, mais c'est quelque chose qui est dans l'air. Euh, il y a une attente. Et c'est malheureux, puisque bien souvent, on voit que ces enfants-là, quand ils ont 18 ans, ah ben, ils prennent la porte de sortie, hein. voilà. ils s'enfuient et ils vont loin de l'église et ils ne veulent pas entendre parler de l'église, ils ne veulent pas entendre parler du Seigneur, ils mettent tout dans le même panier, l'église, le Seigneur, les gens et, et finalement c'est une catastrophe alors que si les choses avaient été faites différemment. Ils auraient... beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas le Seigneur, ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Toi. Voilà, puisque on a pris d'emblée qu'ils sont fils de pasteurs, ben, les... automatiquement, ils ont grandi dans une famille chrétienne et connaissent le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hmm. Mais moi, j'avais justement une... -moi, oui. une question pour Sharon, Justement, Est-ce que toi, tu as ressenti cette attente de la part de, de ton papa Non, je n'ai jamais senti cette attente de la part de mon papa. Mes parents nous ont toujours laissés libres, parce que j'ai un petit frère aussi, ils nous ont toujours laissés libres d'être qui on est, comme on est. Bien évidemment, il euh, y a de la discipline et tout ça, mais jamais mon papa nous a fait ressentir qu'on devait vivre à un certain niveau spirituel. Moi, j'ai une autre question dans un tout autre registre. C'est est-ce que justement, en tant qu'enfant de pasteur, on a quelque part des passe-droits ou des privilèges dans le sens que ah attention, il ne faut, faut pas quelque part le reprendre s'il a fait quelque chose parce que c'est le fils du pasteur ou la fille du pasteur, et donc on est un peu sur la réserve parce que attention que le pasteur nous tape sur les doigts écoute, on ne devrait pas avoir aucun privilège. On est comme n'importe quel autre enfant de l'Église. Euh, le fait qu'on est notre père est pasteur ne, ne, ne change rien. La donne. Euh, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'abus dans beaucoup de situations et que encore il y a des sous-entendus. Il y a des non-dits. Des gens automatiquement, ils pensent que c'est comme ça. Et ils font de la place pour ça. Ils, ils acceptent que c'est comme ça. Et finalement, le pauvre enfant. Il se retrouve dans une situation qu'il n'a jamais demandée. Il est obligé de jouer un rôle qui n'est pas du tout quelque chose de réel pour lui. Il devient un acteur. Il n'a pas un cœur dans ce qu'il fait. Et c'est une charge qui lui est imposée. Et malheureusement, ben, il a une vie gâchée alors qu'il aurait dû avoir une vie extraordinaire avec des parents qui servent le Seigneur, qui l'aiment, qui sont des modèles pour lui, qui le comprennent, qui l'encouragent, et, et avec une grande famille autour de lui qui prend soin, puisque quand même il est le fils du pasteur, euh, un petit soin particulier, bon, c'est normal une petite reconnaissance dans leur cœur, ben, le pasteur prend soin d'eux, il veut prendre soin et bénir l'enfant du pasteur, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ça, euh, justement. En parlant de euh, l'enfant qui bénéficie ou qui vit un petit peu quelque part euh, par euh, on va dire extension ce que le, le pasteur vit, il y a un élément dans la vie euh, des, des enfants de pasteurs qui est euh, le fait qu'ils soient un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'église directement ou indirectement. Les secrets, Les secrets de l'église. Parce que c'est un peu le cas parfois, des indiscrétions se passent, une, une conversation par ici, une conversation par là, ils sont un petit peu au courant. Est-ce que toi, tu as eu, Sharon, à, à devoir gérer des confidences, de choses que peut-être à ce moment-là, tu n'étais pas supposée savoir sur l'Église Pas vraiment. Euh, à chaque fois que mes parents devaient gérer, mon papa devait gérer quelque chose de confidentiel, bah, c'était fait dans la confidentialité. Euh, on n'était jamais au courant de ce qu'on ne devait pas être au courant. Hmm. Mais parfois, ça, ça se passe, ça, Maman Janine Oui. Il y a, y a des témoignages, bien sûr, que j'ai entendus, hein, Maman André, d'enfants qui, qui disent avoir entendu des choses, mais malgré eux. C'est ça. En, en passant, pour aller je ne sais dans quelle pièce, papa est en train de parler. Donc, il y a, y, a, y a toujours des, comment dire, des, des éléments qui vont capter, et euh, malgré eux. Hein, mais ce n'est pas vraiment une confidence qui a été faite devant l'enfant, etc. Donc, effectivement, les enfants qui ont eu à, à capter ce genre de confidence, elles savent, enfin, ils savent, ces enfants, que ce sont des enfants de pasteurs, ils, ont des, ils doivent bien gérer ça. C'est pas fait n'importe comment, on va pre pas prendre le téléphone, tu sais, la dernière nouvelle. Parce que ça découle un peu aussi sur eux, la responsabilité. Ils voient un peu, à certains moments, les, on va dire, les contradictions dans les églises ou l'état du peuple de Dieu par rapport à certaines situations. Donc, ils ont aussi, quelque part, un fardeau qu'ils portent par rapport à l'église, n'est-ce pas Je crois aussi qu'ils voient des, des inconsistances. Aussi avec ce que le pasteur et la père prêchent et ce qu'ils vivent dans la maison. Euh, bien souvent, il euh, y a une grande différence entre la réalité de la maison oui. et le message qui est porté. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas évident pour ces enfants. C'est vrai qu'ils ont à gérer pas mal de choses. Euh, partager leurs parents, partager leur chambre, partager ce qu'ils ont, entendre des choses qu'ils ne sont pas censés entendre, euh, voir des situations dans la maison qui n'est pas toujours à la gloire du Seigneur. Mm -hmm. euh, ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils vivent eux et se confier. Voilà, c'est difficile parce que ça vient exposer leurs parents, est ça, est ça. Euh, qui n'est pas évident non plus. Oui, oui. Mais je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'ils connaissent ce Seigneur dès le plus tôt possible et que le Seigneur les aide dans tout ça et qu'ils grandissent sous le regard du Seigneur et qu'il y a une grâce du Seigneur pour eux, il y a une grâce particulière du Seigneur dans ces situations. Mm -hmm. Et si leurs parents sont assez sensibles, ils doivent pouvoir les aider, mm -hmm. ils doivent pouvoir les aider à gérer, et à comprendre ces situations et à traverser ces situations sans être abîmés ou affectés dans la vie euh, d'adolescents de, de, ou d'enfants. Ils doivent pouvoir jouer comme les enfants normaux, ils doivent pouvoir grandir comme les enfants normaux, avoir leurs amis oui. euh, dans l'église autant que possible, et bien sûr avoir un, un code de vie, bien sûr. Oui. un style de vie euh, qui reflète ce que les parents prêchent. Maman Audrey, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission, mais pour le mot de la fin, est-ce que ce serait possible d'avoir un mot d'encouragement pour les pasteurs et leurs épouses Oui, bon euh, Je pense et je voudrais encourager les pasteurs et leurs épouses à ne pas laisser cette situation leur rôle, leur responsabilité de gâcher leur relation avec leurs enfants. De laisser leurs enfants être ce qu'ils sont et qu'ils puissent devenir ce que le Seigneur les appelle à être, sans aucune pression, sans aucune attente, et que, ce soit, que ces choses se passent par le Seigneur et l'Esprit de Dieu. Et encourager ces enfants, eux aussi, à rechercher l'appel de Dieu à rechercher à devenir ce que le mieux de ce que Dieu veut qu'il soit. Ça ne voudrait pas dire nécessairement le ministère, peu importe ce que c'est. Si c'est ce que le Seigneur veut, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver, et il faut pouvoir accepter ces choses. Que notre fils n'est pas nécessairement pasteur, notre fils n'est pas nécessairement ne choisira pas nécessairement ce que nous avons choisi. On doit respecter ses choix et le laisser être ce que Dieu l'appelle à être. Amen. Amen. Merci en tout cas, Mama Audrey, pour, cette, pour cet encouragement et bien sûr, Sharon, pour, pour ton témoignage. Merci beaucoup, maman Janine et Magali, bien sûr. Et merci à, à vous, si vous êtes enfant de pasteur, que vous avez entendu le message aujourd'hui. Le Seigneur ne s'est pas trompé en vous mettant dans cette famille et il a un plan pour vous. Alors, je vous dis à très très bientôt pour une autre thématique avec Malaika. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaïka, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaïka.